Et voilà, c'est le matin, il est 5h du matin. Et les enfants, en tout cas, Amandine est déjà super excitée parce que qu'est-ce qu'on fait, Amandine? Les vacances, les vacances, les vacances, les vacances, exactement. On part en vacances. Youpi! Mais Et il où? y a le papa qui est pas très bien réveillé là. Ah Je le non. montre. Mais qui est quand même beau comme tout. Voilà. Et on est super contents. Il faut qu'on se dépêche Eh parce que ben sinon, alors. on va louper l'avion, on va aller chercher la grand-mère et on y va. T'es content, ta Amandine, hein? Oui! Youpi! Et Fantin, lui, voilà, c'est quand même 5h du matin, mais il est déjà sur son Pokédex. Hein, y a pas d'heure pour le Pokémon. Eh, mais dis donc, il y a une anomalie là. Fantin a un chapeau, Amandine a un chapeau, maman a un chapeau. Mais papa n'a pas encore son chapeau. Je vais le mettre. Allez, allez. Hop. Et voilà. Et voilà. Allez, ça y est, là c'est bon. On est paré. On y va. Et ben voilà, ça y est, on est à l'aéroport. Et il fait un froid de gueux dehors. Il fait 1 degré. 1 degré. Et pourtant, on a des beaux chapeaux. Alors, où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? On vous réserve la surprise. Encore, Allez, encore. on va à On ne lâchera l'enregistrement. rien. C'est parti. On ne lâchera rien. Non, on ne dira rien. Alors, on va, alors embarquement, embarquement. Oh là là, vite, 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 vite. Est-ce qu'ils vont deviner? Est-ce que c'est à Marrakech, Alger, Oran, Venise, On a Monastir, Agadir, Agadir, Lisbonne, Casablanca, Porto. Porto, San Salvador, Tunis, Berlin, Pégase, Lisbonne, Oran. Et Sécurité Vigipirate. Alors là, c'est pas une destination qui fait rêver, hein. Non, pas Donc, trop. on va peut-être Bon, pas y aller. allez. Bon, alors là, c'est un peu la Là, galère. c'est glagla. Ouais, là, on est glagla. Pourquoi? Bah, parce que, en fait, il n'y a plus de courant dans l'aérogare. On ne peut pas décoller. Et On du peut pas coup, enregistrer. on ne peut pas enregistrer. Tout est bloqué. Ça fait 20 minutes qu'on attend dans le froid. C'est d'accord. On a dit qu'on vous emmenait vers une destination soleil, mais Ben ça là, n'est pas pour l'instant, gagné. c'est raté. Là, on est un peu dans le Ça n'est... frigo, là. Ouais, c'est ça. C'est pas gagné, gagné, mais Mais bon, j'espère ça qu'ils va vont se rétablir. rétablir. Ouais, parce qu'ils nous ont dit que l'enregistrement a été suspendu et Voilà. j'espère que. On reste positif. Ouais, on va rester. Oui, Ouais, restons voilà. positifs. Restons Il positifs. fait froid. Alors, ça y est, le courant a été rétabli. Voilà. Enfin! On peut s'enregistrer. Bon, par contre, un nouveau problème, c'est qu'on n'a pas de place ensemble dans l'avion. Et voilà, une petite pause au Starbucks Coffee avant de prendre l'avion. Parce qu'on est arrivé quand même super à l'avance. Voilà, il y a donc 4 Là, cafés. il fait chaud, c'est bien, on est bien. Hein? Ah, pardon. Amandine fait des dessins. Ça, il y a un café pour Fantin, Amandine. Fantin ne débloque Bonjour. pas de son, Mais non, hein, de son Pokédex. Bip, 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 ça y est. Bip, bip, bip. Voilà, ça bip. Ça n'arrête pas de biper, là. J'ai gagné, j'ai gagné! J'ai gagné. Merci. Voilà, c'est parti. Bon voyage. On nous a dit bon voyage. Alors, j'espère que la dame, elle va avoir raison. Hein. Oui. On a un peu l'impression d'avoir déjà voyagé parce que c'est quand même long. C'est levé à 5h du matin. Ah oui, Et il est 8h30. Donc, on a déjà fait un premier voyage et maintenant, il nous reste. Le meilleur, enfin le meilleur. Mais Amandine, elle n'est pas fatiguée. Non. Elle, la petite Miss, elle est toujours bon pied, bon oeil. Les choupa-choupes géantes. Ah, les choupa-choupes Oh, les manteaux géants. Ah oui, ça le fait. Hein. Sympa. Hein. Alors là, évidemment, les enfants. Choupa-choupes géantes. Oh, fais voir comment elle est la choupa-choupe. Faut qu'on y aille là. Ah oui, on va rater l'avion. En fait, on est dans un centre commercial, on n'est pas du tout à l'aéroport. Ouais. Hein, Fantin? On a l'impression de faire du shopping. Alors, Amandine, elle veut pas rater l'avion, donc elle se met à courir. Il y a une heure de jeu pour les enfants, elle s'arrête même pas. Mais c'est normal parce que sinon, on va rater l'avion. Vite, vite, vite! Chouf! Attention, ouais! On a gagné, maman! Fantin, c'est tout là-bas au bout, là. On a encore de la route. C'est joli, mais ça fait faire du sport. Qu'est-ce qu'on est serré? Au fond de cette boîte.
Là, ça y est, on tient ça le coup. Ça y est, regardez, regardez, attends. Hop. Vous n'avez rien vu. Hop. Rien vu du tout, on n'a rien dit. Je veux dire, je suis contente de donner ces cartes d'embarquement à la dame. Voilà. Parce que là, je crois que je vais m'écrouler dans l'avion. Merci beaucoup. Hop, 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 hop. Ah, allez, on y va, zou. J'ai le ticket gagnant, là. Eh, moi, je remarque une chose, hein, mais on nous a, on nous a quand même défilé le tapis rouge, là. On nous a mis le tapis rouge pour aller dans l'avion. Là, c'est pas de la rigolade, hein. On sent qu'on est attendu. Oui, et les sardines entre l'huile et les aromates. Voilà, dans quelques minutes, nous pouvons poser nos fesses dans l'avion. Alors, mais qu'est-ce que tu fais près de la sortie de secours? J'attends, en fait, comme on est voilà. Pas ensemble dans l'avion, l'hôtesse est en train d'essayer de nous débrouiller la chose. Oui, c'est faut dire que j'avais pas réservé en avance les places sur Internet. Oui. Donc, réserver les places en avance. Enfin, je veux dire, ouais, faut réserver toujours les places en avance et je l'ai pas fait. Et... Voilà. Allez, on a nos deux loulous qui sont installés, la grand-mère aussi. On a un siège devant et il manque plus qu'un garçon à caser et on va y arriver. Et voilà, nous n'avons pas encore décollé, mais Alex dort déjà. Ah, Martine, ne le réveille pas. Chut. Allez, on est parti pour 12 heures de voyage. Eh ouais, c'est beaucoup. C'est pour ça que vous pouvez faire dodo là. Putain, il joue. Tu joues à quoi, chérie? Pokémon encore? C'est un peu ton nouvel ami qui ne te quitte plus, Pokémon. Voilà, ça décolle. Et ça se passe plutôt pas mal. Amantine, au départ, ça a été un peu difficile, mais maintenant on voit qu'elle fait son dodo. Fantin, lui, il fait pas son dodo pour l'instant, mais faudrait bien qu'il le fasse quand même. Hein. Je vais aller me faire un petit achat ou deux. Enfin, je sais pas s'ils auront les produits, mais on va voir. Une nouvelle recrue là devant moi qui est prête à aller au duty free. Je suis au duty free là. Comme on s'ennuie un peu dans les avions, forcément on est tenté. On est tenté, hein? Hein, Mimi? Oui. Elle s'ennuie aussi, donc elle vient voir ce que j'achète. L'égyptienne magique, c'est un baume ultra hydratant que les stars utilisent. Oui, madame. Il y en a marqué dessus, regarde, même Madonna. Super. Et ben voilà, égyptienne magique. Moi, je voudrais le baume de Madonna. Ben oui, on devrait l'avoir. Madame. Vous l'avez? Oh, ben alors là. Ah, c'est merveilleux. Cette chose-là. Le noir, le Swarovski noir. Ouais, si vous l'aviez. Alors, ben voilà, mais en fait, il est trop grand. C'est dommage. C'est dommage parce que voilà, je trouvais qu'il était super beau et tout et c'est la déception. ça m'avait l'air pas mal. C'est l'appareil nettoyant visage le plus petit et innovant. Bon allez, faut que je vais essayer. Je me laisse tenter. Mais voilà, je me prends ma petite crème et mon nettoyant visage. Je vais essayer ça, ça a l'air d'être assez étonnant. Youpi! Je suis bien contente, c'est cool là. Alors là, il y a un gros indice quand même, hein. Air Caraïbes. Je pense que là, nos amis peuvent déjà faire des paris sur la destination d'arrivée. Ben voilà ma petit pot de crème, hein. Je vais l'ouvrir. De la boîte, le machin qui nettoie la peau là,
Je sais pas trop bien comment on l'utilise. En tout cas, il y a une sorte de pile. Et là, ça on appuie sur le truc. Ah, mais c'est rigolo. Oh, c'est marrant, en fait. Ça fait une sorte de... énorme comme truc, quoi, d'avoir une sorte d'ordinateur de bord comme ça. Alors il y en a beaucoup qui vont ricaner, mais bon, moi je trouve ça vraiment ça super pratique, hein. Alors là c'est cinéma, vous avez séries TV, les achats détaxés, c'est comme ça que j'ai repéré ma crème magique. Au menu, vous pouvez même appeler une hôtesse, j'ai vu ça quelque part, hein. Tu peux appeler une hôtesse, genre tu vas pas bien, tu mets j'appelle une hôtesse, votre avis, genre je suis pas content du tout. Je le dis, tu vois. Il y a le monde de Tori, il y a tout. Voilà, alors là, ça c'est génial parce que par exemple, maman elle est en train de regarder un film et il y a marqué recommencer depuis le début ou reprendre le programme. C'est... Non, mais voilà, bon, je m'émerveille d'un rien, je sais. Hein. Arrêtez de rigoler. Hein. Voilà. Bon, bah, bon film alors. Hein. Oui, merci, ma chérie. Il y en a parmi vous qui doivent déjà cogiter sur la destination finale de la famille des Beaujouets. Et bien, s'il y en a qui savent déjà, n'hésitez pas parce qu'on va faire un petit jeu, c'est assez rigolo. Le premier qui, en commentaire, donnera la bonne destination, et bien on lui enverra un petit colis de petites surprises qu'on va trouver sur place. Voilà, on va constituer un petit colis de surprises et on lui enverra à lui ou à elle, hein, fille ou garçon, un petit souvenir de nos vacances. Voilà, elle est pas bonne l'idée. Ah, Alex, on va leur faire gagner un petit souvenir de nos vacances, ça peut être sympa. Enfin, en tout cas, celui ou celle qui aurait trouvé le premier, la destination. Vrai, je pensais même qu'on pourrait leur envoyer nos billets une fois qu'on les aura utilisés. Envoyer nos billets, mais oui. Ben oui, ça peut être aussi, ça peut faire partie du colis, du colis, hein, bien sûr. C'est très joli, les billets, maintenant. Ouais, mais bon, ça fait un souvenir, quoi. Ouais, c'est ça. Alors, là, c'est le réveil de la sieste d'Amantine. C'est la pause goûter. Il y a un petit encas. Tout à l'heure, il y a eu le déjeuner. Et maintenant, il y a eu la pause goûter. Hein, c'est quoi? Qu'est-ce que tu manges, là, alors? Un sandwich au thon. Ça, c'est quoi, un sandwich au thon? Ah oui, moi aussi, je ne l'ai pas encore ouvert. Un sandwich au thon avec du jus d'orange, un petit gâteau, un petit peu d'eau. Il y a... C'est quoi, une sorte de petit yaourt là-bas là? Donc, Quentin s'est réveillé à 5h. Et voilà, donc il n'a pas beaucoup dormi. Je sens que ça va être la fête tout à l'heure parce qu'on va arriver vers 14-15h, je ne sais plus. Donc il va devoir tenir l'équivalent comme s'il s'endormait vers 2-3h du matin. Il sera à 20h. Aïe, aïe, aïe. Alors Amantine, elle a mis du jus d'orange sur son pain, un mélange de jus d'orange et de sandwich au thon, c'est bizarre quand même. Hein. Et alors Belle, elle a son chapeau, maman a le chapeau sur la tête, elle est déjà prête à partir là, à être sur la plage, mais on est dans l'avion là. Hein. J'ai super hâte d'arriver. Oh. Ah, qu'est-ce que tu vois là? C'est quoi ton film là? Bah, c'est quelque chose de ce qu'on voit en dessous du... De l'avion. Ah. Ah, là on voit sous l'avion. Alors Martine, tu vois, qu'est-ce que tu vois toi d'ici? Le bleu, mais magnifique. Ah, oh, c'est trop trop beau, quoi. T'as vu ça, Quentin? Oui, on voit pas trop. T'as vu comment l'eau elle est claire? Ah oui, je sais que c'est du bleu clair. Ah ouais. C'est magnifique, magnifique. Alors, petit indice pour ceux qui nous regardent. Nous allons faire une escale dans un endroit qui commence par un B. Ah ah ! Qui commence par un B. Mais ça n'est pas notre destination finale.
Non, va falloir que vous la trouviez. Alors c'est la fin du vol, hein, ça y est, l'escale est terminée et on va atterrir. Et Fantin, lui, il est placide hein, devant son film. Ça doit être le troisième film depuis qu'on est parti, non? Non, c'est le deuxième. C'est le deuxième? Et bon, ça y est, on va arriver là. Ah oui, toi aussi, toi aussi. Toi aussi, t'as Dory. Ça, C'est-à-dire pratiquement qu'elle est allée deux fois le même jour au cinéma. C'est la Normandie. C'est ouvert, t'as vu? C'est ouvert, Nivi. Et là, on a trois allers-retours en Crète. Trois allers. Même plus que ça, je crois. Ouais. Ouais, non, c'est vrai. C'est ça à peu près. Oui, t'as raison. Attention, attention, attention. Attention, on atterrit. Oh bah dis donc, ah bah ça c'est carrément un landing, ça s'appelle, c'est vraiment... Ouais, on l'a fait mieux une fois. Non, là j'étais vraiment très bien. Là c'était meilleur que celui d'avant. C'est parti mon kiki. Allez. Bah on a... Non, non, en plus c'est une fille. Allez, on sort de l'avion. Au revoir. Merci, au revoir, merci. Différence de température. On est arrivé. Super. Oh regarde, il y a des noix de coco. Les cocotis. Cocotis, cocota. C'est un caddie bien rempli. Hein. Ouais, tu m'étonnes. Ça c'est de l'efficace comme on dit. Un petit indice hein, pour ceux qui. Voilà, un petit indice. Vas-y, regarde là. Ouais. Oh là là. Bah, je peux pas donner trop d'indices non plus. C'est hein. Trop facile après. Mais bon, allez, il y en a peut-être qui connaissent déjà. Je montre cette plage, voilà, qui est quand même assez connue. Hein. L'endroit où on va. Voilà, il y a celle-là aussi. Bon, allez, on a. Ah, mais faut pas le dire. Tête de trop. Ah, bah oui, mais bon. T'as raison, mais en même temps, bon. Faut bien qu'on ait un gagnant. Alors, on va essayer de trouver hein, des petites surprises tout au fil de notre séjour. Et le gagnant les recevra par colis, bien sûr, avec des petites surprises. Une carte dédicacée de la famille des mots joués, bien sûr, on s'en doute. Voilà. Des surprises. Voilà. Est-ce qu'il y aurait un panneau avec notre nom? Attends. Non, c'est pas ça. Ah! Voilà, c'est nous. Bonjour, monsieur. Belle et Alex. Youpi! Yeah! C'est nous, Club Coralia. Youpi! C'est nous. Allez, on est arrivé là. Ça y est, on sort de l'aéroport. On s'occupe de nous. Ouais. J'allais dire, on s'occupe de nous. Mais voilà. Non, on s'occupe de nous. On est tellement là, crevés. On sort de l'aéroport, là il y a une chaleur. Ouais, un truc de dingue. Hein? Ça joue princesse sur son carrosse, hein, mon frère. Ouais, c'est ça. Là, ma chouchou. Ouais. Et voilà, on est arrivé. À vous de deviner où est-ce qu'on est. Fantin, tu ne dis rien, tu ne vends pas la mèche. Non, juste un petit indice quand même. Ouais. Encore. Allez. Là, il y a le nom de l'aéroport. Alors, je montre juste le dernier bleu. Il y a marqué Americas. Voilà, ça vous donne un petit indice. Alors, hop, là, on a dit c'était quoi? C'est celui qui sera le plus rapide de toute façon. Ouais, qui sera le plus rapide à nous donner la bonne réponse. Et voilà. Eh bien, on vous donne rendez-vous demain pour la suite de nos aventures à la découverte du lieu extraordinaire. Le lieu extraordinaire où nous allons atterrir. Ciao. Bisous. Et toi, tu sais même pas où on est, non? Non. Non. Tu sais pas vraiment. Tu sais pas. T'es jamais allé. Allez, je coupe. Ciao. Abonnez-vous. Partagez. Ciao.